Bah, tu as une voix sensuelle, Oui, des lèvres très sensuelle. pulpeuses, Oh, beau quel cœur, amour. les yeux pétillants. Oui, Hein? oui, c'est clair. Qu'est-ce Vous que tu en avez penses? Ah, mais moi, envie? je suis tout à fait d'accord. Hein? D'accord, C'est vous clair. avez, Ouais. vous avez Ouais, mais envie? nous, on est des connaisseurs. Vous avez envie? Faites-la toucher. Une, deux, Mais moi, je touche tout. 36, 15, Moi, je touche toutes les code. touches. Elle en a encore Mais une bon, minute. enfin, Elle pourrait faire de et la pour voix revenir. off. Non, mais Elle pour revenir. Non, non, mais je veux dire. Pour revenir justement à Philippe Vernet, franchement, très jolie voix. Tout à fait. C'est sensuel, c'est vrai, c'est Oh, sympa. et franchement, c'est L'orchestration, les génial. arrangements, plusieurs choses à Philippe. D'abord, de venir nous voir dès le mois d'avril à l'Artichaut, hein, Oui, parce et qu'on volontiers. organise des scènes avec plein d'artistes, des auteurs, des compositeurs, et ça serait plutôt sympa que tu Tu viennes. paries qui gagnera? Tu Tout à paries? fait, Ah il non, n'y a non, rien non, d'étonnant. mais moi je Oh te là là, dis. toi tu le sens, Ah toi. non, non, mais Alors toi, je quand vois. tu sens les choses en plus, Alors, je vais tu te es en dire plein dans un le truc. mille. C'est une voyante, Astrologue et astrologue. médium, Mais oui, ah oui, exactement. toi tu le Bon, sens. Et je alors. ressens les choses Bon, oui. et je peux te dire qu'il ira loin. Oui. Il ira très loin, ce garçon. Non, mais c'est vrai. Alors que quelqu'un t'entende, je touche du bois, je touche. Voilà. Non, non, mais c'est la vérité. Oh, Coco Chanteur! Le chanteur bleu, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Il t'adore, Non, il mais qu'est-ce t'adore. qu'ils ont ce soir? T'as vu? Qu'est-ce qu'ils ont ce Tu soir? n'arrêtes pas de dire que tu es, voilà, que tu nous aimes tous. Bah Oui. oui, mais je Alors vous voilà, ça aime. y est, T'as maintenant, vu? c'est normal. C'est pour ça que je surveille quand je suis pas invitée. Ah, Ah, ces imbéciles m'ont fait. Parce Ah qu'après, Myriam, elle a la rage, hein? Tu sais que j'ai la rage après. Tu sais qu'il y avait un grand chanteur, je te jure, hein, quelqu'un de très connu. Il me disait, Myriam, quand j'organise mes soirées, j'ai intérêt à t'inviter. Parce que si je ne t'invite pas, je sais que tu vas m'en vouloir toute ta vie. Oui, mais tu dis ça, mais tu pardonnes. Tu es quelqu'un qui pardonne. Oui, c'est vrai. T'es c'est pas. T'es, tu, regarde, moi j'ai parlé. Il y a une personne très proche de toi, je ne dirai pas qui m'a encore dit il y a quelque temps. Myriam, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit parce qu'elle est franche, elle le dit, voilà, elle le dit c'est sa manière de s'exprimer, de le dire en gueulant, parce que t'es quelqu'un, t'es comme ça, t'es plutôt dans le, voilà, dans le côté gueulant et tout Punchy. ça, voilà, punchy, mais après c'est terminé. Oui, c'est vrai. Tu dis ce Comment que tu t'as me à trouves, dire, tu Christian? pousses ta Je suis comme gueulante, et ça. après c'est terminé, ça qui Moi vient. j'aimerais Oui, voilà, savoir. c'est passé. Oui, Christian. Moi j'aimerais savoir, quel est ton signe, en fait, Balance. astrologie? Balance. Ah, mais balance, c'est pas mal. Oui, c'est un bon signe. tout à fait. Et ton ascendant, c'est quoi? Non, mais ça, je le dis pas. Je sais même pas. À mon avis, ça doit être sexuel quand même. Hein. Oui, c'est vrai. J'en suis sûr. Ah, oui, c'est tu exactement. m'aurais dit scorpion, parce que scorpion, c'est hyper sexuel. Le scorpion, c'est toujours la pas. queue en l'air. Ah, tu vois? Non, ah, non, c'est la vérité. C'est énorme. Eh ben c'est oui, Et je non, peux mais c'est t'en un... parler parce que je suis scorpion. Mais c'est vrai que tu as raison. Eh oui, c'est un ascendant scorpion que tu vas réussir dans le métier, tu vas voir, ben, Philippe. Et je vais te dire un truc, la première fois qu'on s'est rencontrés, Christian. Oui. Alors? Alors la première fois qu'on s'est rencontrés tous les Oui. deux, parce qu'on va le dire, comment on s'est rencontrés tous les deux? Ben, je sais plus où. Dans un hammam, je crois, non, je me souviens. Ah, c'est Non, excellent! non, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Bah, tu te souviens pas que tu voulais recruter pour animer avec toi? Oui, c'est Ah, vrai. c'est vrai. Ah Mais vous avez été Ah oui, binôme, c'est vous avez vrai. Ouais. été binôme. Ah, c'est la fête arc-en-ciel. Oui, tout à fait. Oui. On embrasse mon camp Et je suis venue te voir dans le bureau, il y avait du monde qui attendait. Et je t'ai dit, monsieur, vous pouvez me prendre s'il vous plaît? Et là, j'ai dit oui. Oui. Oh! Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Et après, on a terminé là ensemble. Hein. Oui, mais oui, parce que. Et je me souviens que Sylvain était même avec nous. Oui, je vous ai vu animer, vous avez été très bon, vous étiez très très bon. Vous faisiez des passations et tout, c'était très très bien. Exactement. Vous avez bien bossé. Franchement, on a vraiment aimé tes chansons. Super. Ouais, franchement. Super, super. Et franchement, si tu veux, allez, on prend note. Pour avril, le deuxième lundi d'avril, je te passe à l'Artichaut. C'est un cabaret, on en a parlé sur France Oh 2. Bah j'étais là. Trois jours. Ah Ouais, oui. trois jours. C'est super, c'est un bel endroit. Oh là là, c'est Et superbe. là, ça sera bien. Et je vais t'inviter également le lundi 26 février au Bis. Là, c'est un autre endroit, c'est en face d'Opéra Ah là Comique. là là. C'est un super Très endroit, bien. un Bah, tu endroit as aussi vu? d'artistes. Tu as vu? Voilà. Bravo! Bravo! Et ça, Tu vois bien, c'est t'es le chouchou cadeau. de Myriam. Mais c'est Tu as vu normal. le Mais chouchou? Tu c'est... as vu le Quand chouchou? j'étais venu en septembre dernier, tu avais la gentillesse de m'inviter et tu as eu la gentillesse en début de semaine de m'inviter à nouveau pour aujourd'hui. Donc, Eh oui, bonsoir. Merci. mais Merci, parce que j'ai confiance en toi et je crois en toi. Ah Voilà. oui, tout à fait, oui. Voilà. Et Merci. Quand je crois en toi et j'ai confiance en toi, mais tu vas y aller loin. Je touche du bois. Voilà. Mais après, tu m'oublies pas, toi. Hein.
Non, non, j'oublie personne. Mais j'oublie ceux. Parce qu'il y a des parasites dans ce métier, on le sait bien. Oui, voilà. Donc, c'est vrai. Il faut savoir oublier et rebondir. Mais non, j'oublie pas. Je suis quelqu'un qui. Jamais oublier. Alors, j'ai la réputation d'avoir une mémoire de poisson rouge. Mais en revanche, je me rappelle toujours des personnes qui ont été là au bon moment et qui m'ont aidé au bon moment. Et tu es une de ceux-là. Merci voilà. Beaucoup, toi, c'est gentil. C'est gentil. Et Christian Lebon, pourquoi j'aime beaucoup Christian Lebon, parce qu'il est comme moi, il n'oublie pas d'où il vient, il est resté toujours ça. Non, mais c'est vrai, Christian Lebon, la première fois que je l'ai vu, Christian Lebon, je vous jure, c'est vrai, il est rentré tout de suite dans mon cœur. Oui. Tout de suite. Oui, toi, ça tout de suite. Je disais, mais qu'est-ce qu'il est merveilleux, ce garçon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ah, c'est gentil. Tu vas faire rougir. Je sens que ça monte, ça monte, ça monte. Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai. Mais je te jure, c'est sincère. Et à chaque fois quand je parle de Christian, je dis, mais je l'adore, Christian. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà. Gentil. Bah oui, c'est la vérité. Beaucoup, mais tu es attachante aussi. Hein. Oui. On voilà. Est tous les deux attachants. Oui, tout c'est à fait. Ça va être un jeu un peu bizarre, tous les deux. Pourquoi les deux attachants. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, et professionnel voilà. Aussi, voilà. Exactement. Mais il faut laisser personne rentrer entre nous, attention. Hein. Non, faut pas qu'il y ait la jalousie, attention. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, si on a envie de se voir, on se verra en cachette. Hors antenne. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup d'invités dans la salle, parce que la salle, elle est pleine. Alors, Christian, allez, redonne. Allez, donc, moi, je vais partir. Donc, écoutez-moi bien, les amis. Donc, le lundi 5 mars, c'est... vraiment une super soirée, vous allez passer un bon moment. Croyez-moi, il y a beaucoup de célébrités, de gens connus, vous allez reconnaître beaucoup de têtes connues. Et puis, il va y avoir un spectacle formidable. De la chanson, des numéros de cirque, des transformistes. Il va y avoir des humoristes de tout. Bref, 2 heures de spectacle et... stop. Et vous serez invités, puisqu'il va y avoir parmi vous, en tout cas, bien pas sûr. Tous, mais parmi vous, des invités. Et on sera un plaisir de vous accueillir. Et la surprise que tu fais aux auditeurs, c'est que fin mars, le 30 mars, tu nous fais tout à chaque fois le dernier... Alors, le dernier vendredi de chaque mois, et bien avec toi du reste, on va accueillir des artistes que l'on va sélectionner, bien évidemment. Ils vont c'est toi qui vas les sélectionner. Ils vont nous parler un petit peu de leur actualité, on va faire du live, il va y avoir des surprises, il va y avoir de la joie. Et je leur ferai leur signe de l'horoscope. Et toi, tu vas faire l'astrologie, on va savoir encore un petit peu plus... S'ils sont nuls, je le dis. Hein. Ah ben, faut non, mais je dis la vérité. Voilà. S'ils vont pas réussir, je le dis. Voilà. Alors, fais attention, il y en a qui risquent de pleurer. Voilà. Et voilà. Donc, ça sera Talent sans frontières. C'est le titre d'émission. Et c'est à partir du vendredi 30 mars à 18h30. Eh bien, merci beaucoup, Christian. Merci je te fais des gros bisous. Gros bisous Christian. À vous tu es un amour. Et merci de ta gentillesse. Merci, Christian. Allez, les auditeurs, il est 19h13 sur Espace FM 98.8. Et si vous voulez de nous rejoindre, moi, je vais laisser quelques secondes, bien sûr, à notre ami, le journaliste, pour poser des questions à notre ami. Sylvia.